Voilà, allez. Pacific Sands en 2003 est toujours dans la paradis des mondes avec LP Media, donc je suis avec Alexandre et Jérémy, heureusement que j'ai couilles, comme ça je me retrouve. Ouais. Allez, oui, donc voilà, ouais. Donc on va parler bon, d'Antoine Daniel, allez-y. Ici, là, c'est pas. On n'est pas. Comment dire. Pour l'instant, enfin, cette conversation-là est pas représentative d'LP Media, donc. Ouais. Mais. Voilà, mais bon, c'est pas très important, mais. Oui. Ouais. Bon. Mais bon. C'est-à-dire que. Donc on disait. Vous me parlez d'Antoine Daniel. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui. On disait que justement, on avait regardé la vidéo juste avant de vous contacter et puis on avait trouvé pas très correct ce qu'il disait à propos de vous parce que c'était pas vraiment vrai. Alors, pour ce qui est d'Antoine Daniel. Ben, je sais pas, j'ai l'impression que je vais un petit peu me répéter parce que il a un petit peu exagéré sur ce que j'ai dit. Puis je suis juste un artiste rêveur. Je rêve. C'est un rêve que j'ai, je rêve de louer le stade de France avec les dons des fans. Bon, ce jour, c'est pas possible, de toute façon. Quand les fans viennent 1 euro, 2, 3, 4, 5 euros maximum, et puis à la fin du mois, ça fait 400 euros. Donc c'est difficile de. En fait, j'arrive à vivre des dons des fans parce que je suis célibataire. Maintenant, j'aurais eu un enfant, un loyer à payer, j'aurais eu une voiture à devoir acheter. Avec les dons des fans, ça n'aurait pas été possible. Ouais, ouais. Et vous espérez une fois aller au stade de France ? Oui, en tout cas pas avec des fans qui donnent 1 euro, 5 euros, maximum 15, 20, 30, jusqu'à 25, 50 euros. Ça c'est difficile, avec des fans qui font des gros versements. Le travail juridique que j'ai à ce jour ne justifie pas que je puisse avoir plus de revenus. Donc le Stade de France, pour le moment c'est ma chambre. Ouais, ok. D'accord, cool. Bon bah pour l'instant c'est tout ce que je voulais savoir. et voilà, je sais pas, si vous voulez dire quelque chose d'autre. Allez, nous aurions peut-être des propositions pour vos prochaines vidéos. Oui, allez-y. Donc peut-être des dégustations que vous pourriez faire ou voilà. Parce que vous avez quand vous faites une vidéo de dégustation comme ça, vous prenez un truc que vous avez sous la main ou c'est réfléchi auparavant? En fait, la réflexion que j'ai c'est de répandre beaucoup d'amour. Donc ça c'est ça, je me suis entre guillemets imposé cette loi. Et c'est la raison pour laquelle je dis. Alors, le problème, c'est que l'amour que je donne, souvent, il est interprété, surtout au niveau des jeunes, au niveau érotique. Et je n'ai pas le droit de faire de. C'est interdit, puisqu'il fait pièce d'identité, 18 ans maximum. Je ne veux pas m'entrer en prison. Donc, je suis obligé de doser la dose d'amour que je donne. Par exemple, c'est pour ça que je dis je t'aime en bleu, je t'aime en vert, je t'aime en rouge. C'est quand même moins poignant. Que le vrai amour érotique qui est entre l'homme et la femme que j'arrive à manifester mais que je ne peux pas lorsque j'enregistre parce que illimité, voilà. Je limite, donc je fais je t'aime en bleu, je t'aime en vert, je t'aime en orange, je t'aime en couleur, tout simplement. Ça passe partout. Ouais, d'accord, ok. Et puis on avait peut-être un truc, enfin on pourrait en parler une autre fois si vous voulez, mais il y a un truc pour être assez sympa pour votre chaîne, c'est l'histoire des. Peut-être parce qu'avec votre personnage qui est Pacific Sound 3003, tu as des défis peut-être où les abonnés, les fans vous proposent des défis à faire et vous pourriez faire des défis avec votre style et votre personnalité que vous avez. Oui. Donc Pacific Sound 3003. Avec par exemple sensualité, je prends un défi au bol, hein. Mais par exemple ce serait de croquer dans un citron vert ou de faire des défis. Des défis, enfin pas que vous choisissiez, mais justement le but c'est que ce soit les fans vous proposent de faire des défis, puis après vous les faites avec votre. Avec votre personnalité à vous. Voilà, de votre manière. Effectivement, ça, c'est une belle idée. Alors, je ne vous cache pas que j'y ai pas pensé. Donc, la prochaine fois que je descends au magasin, je vais acheter des citrons et puis je vais faire le citron avec un bout. Voilà, un citron, c'est un exemple. Vous n'êtes pas obligé. Après, il y a plein d'autres trucs. Mais justement, le but que les fans justement aient plus en interaction avec vous et puis vous proposent des défis et que vous les fassiez devant la caméra et puis. Juste comme ça, je sais pas, ça peut être rigolo, puis ça peut apporter des fans en plus. Oui. Alors je retiens, heureusement que je réussis, comme ça je vais pouvoir revenir dessus. Ouais. Mais effectivement, vous pouvez apporter de nouvelles idées. Il faut s'ouvrir. Après, au cours de. Enfin, si on a une conversation future, on aura bien sûr plusieurs autres idées hein, qu'on pourra avoir, mais bon, pour l'instant, on a ça. Oui, pour l'instant, on commence petit. On commence d'abord petit. C'est une première entrée en matière. On fait connaissance. Vous regardez si je vous conviens. Je regarde si ce que vous me dites m'entend aussi. Il faut qu'il y ait une entente des deux côtés. Si par exemple, moi je veux et que vous voulez pas, ça va pas aboutir. Si par exemple, vous voulez que moi je veux pas, ça va aboutir. Il faut que les deux parties soient d'accord.
Ouais, exactement. Ouais. Bon, bah c'est tout, ce qu'on voulait dire en tout cas. Et puis bravo en tout cas pour ce que vous faites, parce que c'est, ouais, c'est cool. Bon, c'est qu'attendre de voir. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Et puis, oui, bah, bravo pour vos vidéos et bonne continuation. D'accord. C'est quand même joli ce que vous faites sur Internet. La suite, donc la suite. Est-ce que j'ai une suite avec LP Media? Avec LP, en tout cas, personnellement. Personnellement, donc moi, Alexandre Aubé, moi, oui. Mais après, LP Media, ça, je sais pas, parce que j'ai pas parlé. Il y a pas tout le monde qui est forcément complètement d'accord, mais personnellement, de toute façon, c'est moi qui m'occupe des montages, des clips, donc de toute façon, tout se fait avec moi. Donc après, même si LP Media ne veut pas, imaginons, moi, je serai toujours là à vous aider. On va voir, le temps répondra. Allez, j'ai l'enregistrement. Le groupe va de toute façon en discuter. Oui. D'accord. Alors, j'ai l'enregistrement, je vais pas faire trop long. Donc 6 minutes 10. Et puis la suite, nous a pas enregistré, 6 minutes 10, stop.